Bonjour les amis. Nous sommes le 14 mars 2023. Il fait 25 degrés et le ciel est ensoleillé, mais avec quelques légers nuages. Et je vais vous parler de Saint-Augustin. En particulier des confessions, qui est, vous voyez, le titre qu'on a mis en plus gros sur la couverture, parce qu'il recouvre en fait bien des textes antérieurs d'Augustin. Tels ceux qui sont. Les Confessions et son dernier texte qu'il a écrit lorsqu'il était évêque à la fin de sa vie, en 396. Les Confessions ont été écrites entre 397 et 401. En latin, elles sont traduites ici, et cette nouvelle édition de la Pléiade est très bien faite. Elle a été faite par Lucien Gerfagnon. C'est la dernière en date. Elle est extrêmement claire. À mon sens, elle contient tous les index nécessaires pour naviguer dans le texte. Les notes sont concises. Et c'est donc sous le titre général de Confession qu'on connaît Saint-Augustin, qu'on associe le reste de ses œuvres précédentes, c'est-à-dire la première contre les académiciens, puis La vie heureuse, L'ordre, Les soliloques, L'immortalité de l'âme, La dimension de l'âme, Le maître, Le libre arbitre, La musique, Le mensonge et Les confessions. Ce que j'ai lu oui, j'ai dit qui étaient les auteurs de l'édition. C'est sous la direction de Lucien Gerfagnon, avec pour ce volume la collaboration de Sophie Astic et plusieurs auteurs qui ont établi les différents index et bibliographies et paramètres de navigation dans ce volume. Donc ici, le paratexte, c'est la table des matières, c'est cet appareil critique. Et spécifiquement, si on étudie les confessions elles-mêmes, il s'agit de 300 pages qui se trouvent à la fin du volume et qui sont divisées en 13 chapitres. Je vais lire les titres de ces chapitres. Ce sont les thèmes de cette confession. Il s'agit d'une confession au sens chrétien, où Augustin, devenu évêque, s'adresse à son Dieu.
Il s'adresse à lui tout au long de cette espèce de monologue intérieur. Donc les livres sont livre premier, La mémoire des commencements, 2, L'irruption de la faute, 3, Errance et jalons, 4, L'erreur sur le signe, 5, Sous le signe de la controverse, 6, Entre le déjà et le pas encore, 7, Du labyrinthe à l'ascension, 8, Des intermittences du vouloir à la décision, 9, La mémoire des fins, 10, La mémoire des traces, 11, La mémoire du commencement, 12, De l'informe à la forme, 13, Du premier jour au septième jour. Vous avez vu que que le premier livre est La mémoire des commencements et que le livre 11 est La mémoire du commencement. C'est celui qui est le plus centré sur l'analyse du temps. Et qui contient des réflexions qui, au-delà de ce qui peut aujourd'hui, si nous ne sommes pas croyants, nous sembler lointain, historique, qui concentre toute la réflexion d'Augustin sur le temps, qui reste d'actualité, qui est toujours d'actualité, alors que l'irruption de la faute, par exemple, le livre 2, est à lire aussi, mais ne, ne, ou la méditation sapiennelle, l'erreur sur le signe, ce sont des étapes du processus de la confession à son Dieu, alors que vers la conversion de l'esprit, vers la conversion du désir, le thème du labyrinthe, de l'ascension, de la mémoire, des traces, des fins, du vouloir, de la décision, de l'informe à la forme, tout cela reste d'actualité. Et d'utilité pour la réflexion aujourd'hui. Le temps, le chapitre, le livre 11 des Confessions, est le thème qui traverse toute la réflexion, et en particulier le passage fameux du livre 11, Qu'est-ce donc que le temps? Qui en saurait donner facilement une brève explication? Qui pourrait le saisir, ne serait-ce qu'en pensée, pour en dire un mot? Et pourtant, quelle évocation plus familière et plus classique dans la conversation que celle du temps? Nous le comprenons bien quand nous en parlons. Nous le comprenons aussi en entendant autrui en parler. Qu'est-ce donc que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais. Si quelqu'un pose la question et que je veuille l'expliquer, je ne sais plus. Toutefois, j'affirme avec force ceci: si rien ne passait, il n'y aurait pas de passé. Si rien n'advenait, il n'y aurait pas de futur. Si rien n'était, il n'y aurait pas de présent. Mais ces deux temps, le passé et le futur, comment peut-on dire qu'ils sont, puisque le passé n'est plus et que le futur n'est pas encore? Quant au présent, s'il restait toujours présent sans se transformer en passé, il cesserait d'être temps pour être éternité. Si donc le présent
pour être temps, doit se transformer en passé, comment pouvons-nous dire qu'il est, puisque son unique raison d'être, c'est de ne plus être? Si bien que, en fait, nous ne pouvons parler de l'être du temps que parce qu'il s'achemine vers le non-être. C'est-à-dire, et relire, et méditer, parce que ça reste notre préoccupation, la source de notre mémoire. C'est une réflexion universelle et non pas propre au christianisme ou à la théologie. Et vous trouverez dans ce livre, écrit au IVe siècle en latin, ici dans une traduction très littéraire, des réponses à des problèmes de 2023. Merci et à demain les amis.